Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un jeu de mots cachés sur mobile. Le principe est simple, vous avez des mots qui sont cachés dans une grille que vous voyez ci-dessous et vous devez donc trouver chacun des mots dans la grille. Donc les mots peuvent être en hauteur, en diagonale, à l'envers, un peu dans tous les sens. Le jeu est totalement gratuit, donc vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez jouer aux mots cachés, un jeu simple, gratuit et facile. Bah directement sur téléphone portable. Allez, on va chercher le premier mot. Je vois la première ligne, je vois Hercule. Donc je vais sélectionner Hercule. C'est trouvé. On dirait que c'est une version spéciale super-héros parce qu'il y a Milou, Marvel, Tintin à trouver, Spirou. Donc on va bien s'amuser. Marvel, je l'ai vu également. Alors, est-ce qu'il y a des techniques pour gagner aux mots cachés? Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout peut-être lire déjà. De haut en bas, ligne par ligne, c'est ce que je suis un petit peu en train de faire. Donc là, j'ai trouvé Tintin. Et si on ne trouve pas, bah, si ça marche pas à l'horizontale, c'est à la verticale un par un. Donc là, je me balade les yeux à la verticale. Je vois boule de boule et bille, sans doute. Et donc là, le jeu se complique. Il y a Akira, donc on va chercher la lettre A. Et à chaque lettre A, on va voir si on peut partir en diagonale ou sur les côtés. Et voilà, donc je vois près de mon Marvel, hop, j'ai vu le Akira. Alors vraiment, le jeu est agréable à jouer parce que tu traces avec ton doigt le mot que tu as trouvé et ça se surligne automatiquement en couleur. C'est plutôt bien. Donc voilà, technique évolutive. Là, donc je cherche le M et je vois c'est tout en diagonale. Je mets sur chacun des M et je vois celui-là. Vous voyez celui-là? Regardez juste en dessous. Liou en diagonale. Milou. C'était facile, mon bon Milou. Et maintenant, il y a notre Spirou. Et là, c'est pareil, je clique sur le S. Et va regarder en hauteur. Hop, Spirou, c'est fait. Il y a maintenant Morane. Bob Morane, c'est fait. Et Robin. Ou plutôt Robin. De Batman et Robin. Hop. Ça y est, pour cette première grille de mots cachés, c'était plutôt facile. Maintenant, c'est des auteurs. Est-ce qu'on peut régler d'autres langages? On peut augmenter la difficulté, le nombre de mots. On peut régler la langue, on peut régler les sons. Je vais augmenter un petit peu la difficulté. Maintenant, on va avoir une nouvelle grille qui va s'afficher. Une grille de marque plutôt réservée aux voitures. Bobine, turbo, gasoil. Allez, Citroën. Je pense que l'avoir vu tout de suite du premier coup d'œil. Le châssis. Là, je vois le mot chaîne. Hop, je classe direct. Le mieux, c'est de tout lire en premier. Tu lis d'abord la liste de mots. Comme ça, si t'as un truc qui te saute aux yeux, tu vas tout de suite le voir. Donc, bobine, je l'ai vu tout de suite. Phare, je le vois tout de suite. Alors, peut-être qu'ils auraient dû mettre un système de timer pour ajouter un peu de challenge. Il y a même les mots à l'envers. Hein. Ça, c'est pas. Je déteste ça, gasoil. Le châssis. Le châssis, où est-ce qu'il est notre châssis? On ne sait pas. Réservoir et turbo. Allez, un châssis, un réservoir et un turbo. Là, c'est trompeur. Je dois jouer un réserve, mais il n'y a pas le réservoir. Ah non, me dis pas quoi. Non, non, c'est pas l'envers. Non, c'est bon. Ah, si, c'est à l'envers. Oh non, ce tordu. Le mot réservoir à l'envers. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. C'est trop dur. Et maintenant, le turbo. On va chercher la lettre T. Une lettre T toute seule. Donc là, c'est pas là. Un T donc avec un U qui serait juste autour. Un T. Attends, j'ai vu que deux T. Ils sont avec l'autre T. Ah, je le vois ici. Turbo, il est là. Et le châssis. Donc on va chercher le C, une lettre C. Le C, où est le C? Je cherche le châssis. Le châssis, où est-ce qu'il est? CH. Il y a un C ici, il y a un C là. Oh, j'ai trouvé les amis, j'espère que vous aussi vous l'aviez. Il est là, toute diagonale vers le haut. Super! Voilà pour ceux qui aiment les jeux de lettres et de mots. C'est un régal, il est gratuit. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez les jeux de mots croisés, les jeux de mots cachés, les jeux de mots fléchés. Et on en fera plein sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu.